puissance de, disons, X. X comme Xavier. Je ne vais pas vous dire son vrai nom, tout de même. Ou alors, disons Z. Oui, Z. Z comme Zéphyr. Disons Zéphyr. Comme la brise douce et légère. Le souvenir le plus fort de cette époque est lié à la salle de gym et à son vestiaire. Le vestiaire était une sorte de cuve au mur et au sol recouvert de carrelage banal. Et dans cette cuve, bouillonnait un tourbillon étourdissant d'érotisme. Les chevilles chaque année plus gracieuses, les épaules qui gagnent en force, une flèche de poils qui descend du nombril jusqu'à l'élastique de la culotte de gym. Je venais à peine de commencer avec ma dextérité habituelle. Que mon esprit projeta l'image de Zéphyr sur le mur de ma chambre. Je fus à partir de cette époque la plus consentante des victimes du plus doux et du plus asservissant de tous les maux, la maladie psychosomatique du plaisir solitaire. On aurait dû en rester à quatre gosses. Pourquoi mon corps était déjà trop vieux? Qu'est-ce que tu dis? Dire qu'on était si content que tu sois normal. Pas un mongolien. Ah tiens, mais pourquoi tu te sens floué? On se mit moins d'affront avec un mongolien qu'avec quelqu'un comme toi. Des années plus tard, il y eut encore une autre altercation avec ma mère. À propos de mon second chéri, l'homme de ma vie. Lui et moi allions signer, en tant que premier couple homo en Belgique, un contrat de vie commune, officiellement enregistré. Oui. Première étape vers le futur mariage homosexuel. Tu es le bienvenu si tu es seul. Pour le reste, on n'en parlera plus jamais. Tu es la pire chose qui puisse arriver à une mère. Eh bien, je vais me pendre. Mais alors, tu te pends cette semaine, ok? Comme ça, on ne devra déménager vos affaires qu'une seule fois. Tout de suite, je prends en terre et le vide-grenier, au lieu de vous déménager dans l'appartement de merde de la grosse Lisa. Tous mes endroits étaient bons. Je recherchais la variété des lieux pour, en quelque sorte, marquer mon territoire. Toilettes de bistrot, d'école, de bâtiments publics variés, cabines de bain, placards, greniers. Je me flattais d'étendre mon espace géographique comme un roi en pompette. Ostende, la cabine de plage, etc., etc., etc. Le dimanche, quand la boucherie était fermée et que tout le monde était sorti, je m'adonnais en toute tranquillité à l'orgasme cosmique. Ah non, mais la boucherie m'offrait des possibilités. Et... Savez-vous tout ce qu'on peut faire avec deux larges tranches de foie de veau? Je me jette sur Zéphyr, et avant qu'il ait eu le temps de faire ouf, je lui colle un baiser bien sonore sur la bouche. Alors qu'il m'embrassait à nouveau, Zéphyr a roulé sur le flanc et il a saisi mon sceptre. Mais dans de petits bouquins cochons, j'avais lu qu'on appelait ça le sceptre. Pas le moindre bruit sur ma bouche. Ni mouvement, ni respiration. Au bout de 5 minutes, je pousse un soupir. La réponse ne me parvient qu'après 5 autres minutes. Dors bien, dormir. J'ai envie de tout sauf ça. Après 5 nouvelles minutes, je lui réponds, dors bien toi aussi. Fauchetron que je suis. Je pense à toute autre chose. Les minutes qui suivent sont plus longues que 3000 ans de civilisation. Zéphyr dit, tu sais ce qu'on devrait faire là, maintenant? Quoi? Inviter des filles dans notre chambre. Ça serait formidable. Moi, presque en larmes. Oui, ce serait du tonnerre. Et baiser un bon coup, c'est ça qui serait chouette. Sûr. Ce serait chouette. T'as déjà baisé, toi? Moi, m'entends mal, évidemment. Dis, c'est vrai? Quand te font l'amour, il y en a qui ôtent ta chemise, qui te caressent? Moi, à l'agonie, oui, sûr. Et il y en a qui vont plus loin? Moi, en train de crever, naturellement. Beaucoup plus loin? Moi, cliniquement mort, beaucoup plus loin. Et tu sais ce que je sens aussi, moi? Non, mais tu le dis à personne, ok, il faut que tu le jures, je le jure. Zéphyr respire d'abord un bon coup. Parfois,
Je rêve que je n'embrasse pas seulement des filles. Moi, après un silence d'un quart d'heure, au cours duquel je tombe dans les pommes, puis j'ai une crise de panique. En plus, l'envie irrésistible de me jeter sur l'autre comme une bête, je fais un nid. Mais voir faire l'amour, là, c'est ça qui serait fantastique, hein? À quelle blessure? Enfin, dors bien. Je chiale, mais il n'entend pas. Bonne nuit. Zéphyr, une demi-heure après. À demain. Moi, encore une demi-heure après. Ha 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 ha!